Bonsoir à tous et bienvenue sur la philosophie de combat. Aujourd'hui, Aristote en 2 minutes. Donc la question qui, à mon sens, traverse l'œuvre d'Aristote, c'est comment un tailleur de pierre réalise-t-il une statue parfaite? Je répète, comment un tailleur de pierre réalise-t-il une statue parfaite? Donc pour réaliser une statue parfaite, il faut 3 choses, de la matière, une idée finale de la statue et l'art du tailleur de pierre. Seulement, il y a un petit problème au niveau de l'idée finale et c'est sur quoi on va commencer. Avant d'avoir une statue achevée, il faut penser toutes les étapes qui permettent d'y arriver. Donc, soit il y a une infinité d'idées, comme par exemple les idées de Platon, soit la même idée évolue au fur et à mesure que l'œuvre avance. Comme il ne peut pas y avoir une infinité d'idées, mais que cependant l'artiste visualise l'idée finale de son œuvre, il faut nécessairement que les idées ou les substances ou les choses en soi, appelez ça comme vous voulez, eh bien, soient comprises par l'homme sous 2 modes, l'acte et la puissance. L'acte, c'est en gros quand on prend une photo fixe, qu'on a une image fixe des choses. Et la puissance, c'est quand on imagine ses possibilités d'évolution. Et les idées de Platon ne sont pas uniques, dont s'inspire le Démiurge, etc. Non, ce que va appeler Aristote les substances, il ne va pas parler d'idées, il va parler des substances, sont sous 2 modes, donc en acte, on prend une photo, ou en puissance, on imagine les possibilités d'évolution. Donc, pour bien comprendre ça, pensez tout simplement à l'idée du couple. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un, vous voyez les choses telles qu'elles se passent maintenant. Est-ce que vous voyez en même temps que vous pouvez prendre une photo mentale de votre couple, ou de votre carrière, ou de vos enfants? Est-ce que vous visualisez en même temps les possibilités d'évolution? Alors généralement, c'est vrai qu'on s'arrête souvent à l'image de la situation telle qu'elle est maintenant, en oubliant les possibilités d'évolution. Et à l'inverse, soit on voit que des possibilités d'évolution sans voir ce qui a déjà été accompli et sans voir les choses comme elles sont. Donc, le sculpteur doit penser toutes les étapes de la réflexion pour faire sa statue jusqu'à atteindre la cause finale qui est la réalisation de la statue. Mais alors, comment s'arrêter à la perfection de la statue? Eh bien, la perfection, c'est le juste milieu. Il faut que la matière et la forme soient en harmonie, ni en excès, ni défaut de forme ou de matière. Même chose pour la morale, la politique. En gros, le juste milieu, une notion fondamentale chez Aristote, c'est-à-dire que, par exemple, le courage, qui est une grande vertu, eh bien le courage, c'est à égale distance de la témérité et la lâcheté. La témérité, c'est un excès de courage, et la lâcheté, c'est un défaut de courage. Alors, comment le tailleur de pierre acquiert son expérience? Deux manières pour ça, en observant la nature et les autres statues des autres tailleurs de pierre, ou en expérimentant lui-même le taillage de pierre. Aristote, faut savoir, est un grand défenseur de ce qu'on appelle l'approche inductive des sciences, c'est-à-dire on ne part pas de la théorie pour expliquer le monde, mais on part bien de la nature et de l'observation de la nature pour expliquer la théorie. Enfin, le but de la vie ou le sens du monde, c'est d'atteindre l'entéléchie. L'entéléchie, c'est-à-dire de rapporter toutes les substances en puissance vers leur cause finale et donc leur perfection. Donc l'idée du sens de la vie, si vous voulez, c'est que votre âme, votre corps, votre vie, toutes ces choses-là, elles sont en acte, telles qu'elles sont maintenant, et elles sont aussi en puissance. Et en puissance, et en fait, on a une espèce de cheminement qui est comme ça, de l'acte vers la puissance, acte puissance, acte puissance, etc. Et l'idée de la vie, c'est de visualiser la vie, la cité, la politique, l'amour, toutes ces choses-là, sous 2 modes, tels qu'ils sont, avec une définition précise, etc., et tels qu'ils peuvent évoluer pour essayer d'en voir la possibilité, toutes leurs possibilités. Et le but de la vie, c'est d'atteindre son maximum de possibilités pour atteindre ce qu'on appelle justement l'entéléchie. L'entéléchie, c'est quand si vous voulez, la substance s'est réalisée. La substance, elle est en puissance et elle se réalise jusqu'à je dirais, sa cause finale, jusqu'à son potentiel maximum. Et c'est ça le but de la vie pour Aristote. Le prochain grand philosophe qu'on va voir, c'est Épicure.